Quand le capitaine Ibrahim Traoré s'invite à la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, il est accueilli par une foule en liesse. À l'occasion de ce triste anniversaire, le père de la Révolution est élevé au rang de héros de la nation. Le boulevard Charles de Gaulle est rebaptisé en son nom et le 15 octobre de chaque année est consacré journée d'hommage au président Thomas Sankara. Voilà un homme qui a consacré toute sa vie, ses ardeurs, son courage, son audace. Il a donné au Burkina Faso. De la Haute Volta au Burkina Faso, l'homme s'est complètement donné. 36 ans après, que les générations futures, reconnaissant de sa bravoure, de ses bienfaits, de ses actions osées, l'érige en héros national. Il parle non seulement au passé, mais il parle à l'avenir. Tous ceux qui naîtront sur cette terre du Burkina Faso s'inspirent et devraient s'inspirer de l'exemple de cet homme fait d'intégrité, d'audace, de courage et de bravoure. Pour perpétuer la mémoire du président Sankara, un mausolée sera construit sur cet espace. Ce projet architectural réalisé par le Burkinabé Francis Kéré ambitionne renforcer l'unité nationale autour d'un idéal de développement endogène. Il est attendu une quinzaine d'infrastructures, dont la tour Sankara haute de 87 mètres et le mausolée en hommage au père de la Révolution et ses compagnons d'infortune. Un téléphérique reliant cet espace de mémoire au parc urbain Bangrewéogo ainsi que la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. Par ailleurs, le projet intègre une composante promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983 à travers notamment des productions intellectuelles, artistiques et des activités de sensibilisation. Accompagné du frère de l'ancien président Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré rend un hommage à l'illustre disparu à travers un dépôt de gerbes au mémorial. L'homme se considère comme un héritier de la Révolution d'août 83 et beaucoup y voient en lui des similitudes avec le président Sankara. Au regard du chemin parcouru, de tous les combats que vous menez, de toutes les actions que vous réalisez, de cette souveraineté assumée, vous incarnez déjà un nouvel espoir et ranimez la foi de notre peuple en des lendemains meilleurs. Vous répondez aux aspirations du peuple burkinabé, aux aspirations du mémorial Thomas Sankara, aux aspirations de la jeunesse africaine, fer de lance du développement de notre continent. L'événement a mobilisé plusieurs personnalités. Tour à tour, elles ont partagé des témoignages pour magnifier l'action de l'héritage de Thomas Sankara au grand bonheur des sankaristes convaincus.